Merci à vous. Jean-Louis Desnoux, nous nous connaissons déjà, président du comité régional olympique sportif du Centre Val de Loire. Donc, vous êtes un fleurissois aussi du bureau. Vous êtes venu à pied, oui, il habite un peu de chez moi, en fait, ce nouveau bureau, parce qu'il est venu chez moi. Emmanuel Vigoureux est arrivé. Elle n'est pas arrivée. Elle va nous rejoindre. Elle devrait. Présidente du CGF Natation. Et donc, on m'a annoncé un représentant de l'État qui vient de s'excuser. Mais c'est pas grave, la joie y est, parce que l'idée, justement. Alors, on a la présence également de Zdeněk Chytil, j'espère que je n'ai pas abîmé vos noms et prénoms. Ancien joueur emblématique, dit-on, du CGF Natation dans les années 90 et premier entraîneur de l'OMI. C'est exact ? Oui. Ouais. Bon, visiblement, il a fait du bon boulot. Toujours. Puis, bah, évidemment, quand on honore quelqu'un, il est tout à fait normal d'honorer ses parents. Donc, je vous souhaite la bienvenue en mairie. Et puis, voilà. Beaucoup d'investissement. D'avoir un fils qui va faire l'honneur de fleuriste. Tant qu'à être sélectionné, va aller plus loin. Hein, on va ramener une médaille. Donc, je vous donnerai votre médaille pour justement. Quand même quelques mots sur vous, même si votre modestie naturelle, j'imagine, dut en souffrir. Vous êtes né le 20 mars 1986, jusque-là tout va bien. Et donc, vous avez été sélectionné 150 fois, votre poste, c'est alors là, je compte sur vous Frédéric, poste défense pointe. Ouais, c'est ça. C'est ça, bon. C'est le club actuel, c'est les Gendarmes 04 Berlin. Donc, club joué, évidemment, notre CJF, à Fleury-les-Aubrais, à l'ONN de Nice. Et MWP de Montpellier. Donc le palmarès quand même, c'est là qu'il faut vraiment être attentif puisque c'est du haut niveau. Équipe de France, 9e championnat d'Europe Belgrade 2016, n'a rien inventé, je vous le redis. 10e au championnat d'Europe Budapest en 2014. Vice-champion d'Europe, donc B, voilà, c'est ça. 2007 à Manchester et 2009 à Lugano. Enfin en tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que vous essayez dans le monde. C'est très bien. Et en club, vainqueur Super Cup d'Allemagne 2015 avec Schwandau 04, champion de France 2014 à Montpellier, vice-champion de France en 2006, 2008, 2009 avec Nice et 2013-2015 avec Montpellier. Quand vous passez dans une équipe, il y a du résultat. Donc, vous avez été joueur au CJF de 1999 à 2005. Et les premières sélections en équipe de France junior et participation au championnat d'Europe 2004 à Malte. Donc voilà, on arrête là notre tour du monde. Moi, pour revenir à Fleury, bah, vous dire notre fierté, quand samedi, Fadel, écoutez, il m'a appelé un samedi, il a dit, il ne pouvait plus tenir, tellement il était content. Il a dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, d'abord je suis preneuse, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Donc, parler de votre sélection, et puis très vite on a eu l'idée de vous honorer parce que bah, d'abord ça booste, c'est pour nous aussi donc une fierté, et que vous portiez à la couleur de votre ville. De votre ville, c'est important, c'est, pour nous c'est fondamental. Alors c'est vrai que Patrick se marre parce qu'il se dit, bah, elle n'est absolument pas sportive, mais en revanche ce que j'aime, ce que j'aime en revanche c'est ce qui anime les sportifs. Et cette façon de toujours se dépasser, cette façon de montrer aux autres que bah, tout est possible, et même les rêves les plus fous. Alors, en attendant d'être médaillé olympique... Pas mal. Ah, c'est bien, ça, une bonne pirouette. Non, du tout. Je tenais donc à vous remettre, parce que bon, quand on honore des fils d'une ville, je veux dire, c'est pas une pression, ça, c'est de dire merci. Merci pour les efforts déployés, continuez, allez au plus haut, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, donc je vous remets, venez vers moi.